Salut à tous, c'est Cédro et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, concept assez spécial aujourd'hui. Tu fais quoi là? Bah, je présente ma nouvelle vidéo. Il y en a marre, c'est cool, hein? Ils se foutent de ma gueule sur mes vidéos et sur ma chaîne de merde! Je t'ai pris pour qui? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis accompagné de... Rigole pas, je vais t'emplâtrer. Qu'est-ce que t'as fait à l'œil là? Rien du tout. T'es tombé? On dirait que ça a pris un coup. C'est l'histoire. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je suis avec... comment t'appelles en fait? Comment tu... C'est drôle, ça s'affiche ici. C'est non, moi qui décide. Non, si, ça s'affiche là. D'accord. Et donc aujourd'hui on va faire un jeu super original, c'est une idée que j'ai pas inventée. Pas du tout. Qui s'appelle si tu ris, tu perds. Mais si tu ris, on te tase. Alors on a rajouté deux jokers. Dans le bol figurent les parties qu'on doit taser pour celui qui perd. Et on a aussi rajouté donc les deux jokers, c'est le ballon. Donc vous verrez si on tombe dessus ce que ça veut dire le ballon. Et ensuite il y a l'ail. L'ail c'est un petit bonus. C'est grâce à notre petite cousine Tina qui nous a filé un ail. Donc celui qui perd pourra éviter d'être tasé s'il tombe sur le bonus de j'ai dit l'ail. Alors oui, que c'est l'oignon. C'est l'oignon. Voilà. Bravo. Ah. On fait ça en 5 points. Oui. Et le grand perdant devra... Qu'est-ce qu'il devra faire le grand perdant? On n'a pas décidé en fait. Ben le grand perdant il prend une grosse gifle dans sa gueule. Vas-y. Alors c'est Christian Quesada qui rencontre une femme d'âge mûr. Ok. Pardon. C'est ça la blague? Oui voilà. Quoi? C'est Christian Quesada qui rencontre une femme d'âge mûr. Christian Quesada, on rappelle qui c'est? Non. Ok. Explosion. Okay. Sauf que tu crois que ça va exploser quand tu vas appuyer alors qu'il va juste avoir des bruits de paix. Explosion. Alors je pioche puisque j'ai perdu. Ah, biceps. Tu es une fois. Hein. Parce que fais attention. Si t'appuies comme ça longtemps à me taser, après c'est à moi, ça va tourner. Hein. Non mais il y a un temps limite. Tu fais juste clac. Ça va. Ça va. Une fillette est retrouvée égorgée dans la rue. L'enquêteur questionne le légiste. Elle a été violée. Et le légiste répond: non, pas encore, j'attendais votre autorisation. Non? Ok, pardon. Ok, ok. À toi. Est-ce qu'un gilet jaune qui tombe en panne de voiture doit remettre un gilet jaune par-dessus l'autre? Ça va. C'est okay. Bien. En plus, c'est moi qui l'ai inventé, j'en suis pas fier. C'est vrai, c'est toi qui l'as inventé? Ouais, je te jure. Ah. Que faire lorsqu'on trouve un épileptique en crise dans une baignoire? Ajouter de la lessive et jeter son linge sale. En fait, je la découvre en même temps que toi, je l'ai pas lu. Ouais. À toi. Ça compte pas si je rigole à moi-même à mes propres blagues. Ouais, faut faire attention. Faut faire attention. Faut raison garder. Que fait un poussin de 200 kilos? Cui-cui. Bio bio. Il doit faire ça, je pense. Bon, ben vas-y, hein, pioche. Mais c'est pas drôle. C'est ta propre blague, t'es ben con. Oui. Vas-y, vas-y. Avant-bras. Avant-bras? Ouais. Allez, fais voir ton avant-bras. Allez, zéro suspense. Oh. Ah, ça fait un partout. Explosion. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Non. Parce qu'elle a pas de bras. C'est pas cool. C'est pas toi qui m'as fait rigoler. T'as rigolé quand même. T'as rigolé? Je sais pas. Ça compte? Attends, on va demander parce qu'il y en a deux personnes qui regardent. Ça compte ou pas ce qu'il a fait? Oui, ça compte. Ça compte, ça compte. Biceps. Ah, bravo. Super, le même. Même pas. Putain, mal. T'as rien dit. Ah. Et on peut rajouter une règle. Quand on se fait taser, celui qui crie, on le retase. Et s'il recrie, on le retase. Non, une fois juste. Ok. 2-1. Hier, j'ai raconté une blague sur Auchan, mais elle a pas super marché. Je la connaissais. Quelle différence y a-t-il entre un bébé noir et un bébé blanc? La longueur de la bite. Alors ça... Ça va là? Tu le vis bien tout ça? Oui. Si vous voulez l'insulter, vous pouvez aller sur son Instagram, c'est 3DRO. 20 minutes thermostat 8. Ça marchera pas. Un jour Dieu a dit à Casto de ramer, et puis Casto rama. T'es spécialisé dans les enseignes en fait? Non, c'est je sais pas. Les enseignes de supermarché. J'ai pas de blague. Comment appelle-t-on un bourrin de poilu qui ne revient pas? Un bout de bois. Un chat mort.
Non. Ah, ok. Non, ça va. La lampe torche, le PQ aussi. Ouais, logique. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de faire tourner un enfant sur un tourniquet? C'est de l'arrêter avec une pelle. Là, t'as rigolé, là. Non. Allez, vas-y, pioche. Explosion. Bah, allez, pour te faire plaisir, il y aura une explosion. Non. Refais-le. Explosion, vas-y. Explosion. Oh. C'est l'oignon? Non. C'est la... C'est pire. Le ballon? Non. Pour moi, c'est pire. C'est l'oreille? Non, c'est le cou. Ah, bien. 3, 1. Et on part sur un coup. Pose ta tête au niveau du micro qu'on entende bien le bruit du... J'aime pas trop ça. Attends. Hé. Attends. Pas longtemps, hein. Non, t'as rien senti. Arrête, non. Arrête, attends, laisse-moi me remettre. T'as vu, j'ai pas menti, j'ai fait un coup. Oui, mais... Un coup dans mais le arrête, cou. Tu m'agresses, là. Un coup dans le cou. Tu m'agresses, attends, viens là. Mais je suis pas prêt. Allez. Ah. Oh. Ça va? Non. 3, hein, je gagne pour l'instant. Qu'est-ce qu'une jambe sur un trottoir? Un lépreux qui a marché chez un chewing-gum. Elle aurait pu être drôle si t'avais pas... Ouais. Ta langue avait pas fourché, ouais. Tu vois. Ouais. C'est dommage. Il était une fois un homme qui bégayait, cet homme dit à son ami: Bonjour. Son ami lui dit: tu bégayes encore, toi? Et il lui dit: bon, va falloir faire quelque chose. Vendredi, tu vas au bureau de tabac et tu arrêtes et tu... Oh, si j'arrive pas à la raconter. Et tu arrives et tu dis: bonjour madame, je voudrais un paquet de gitane, s'il vous plaît. Si tu arrives, je te donne ma paye. Elle est un peu décousue, hein. T'as compris ou pas? Je comprends rien du tout. Je vais la finir parce que je suis sûr que tu vas rigoler. Alors ce monsieur qui bégayait commence à s'entraîner sérieusement, jour et nuit, pour gagner son pari. Vient ce fameux vendredi. Il rentre dans le bureau de tabac, il demande avec beaucoup d'application et de concentration: bonjour madame, je voudrais un paquet de gitane, s'il vous plaît. Sans bégayer. La femme lui répond: filtre ou sans filtre? Et là, le mec qui bégayait fait: salope. Salope. T'as quoi? La pomme. La pomme. Give me five. Ah. Oh. T'as crié. Attends. Ah. Des bombardements se succèdent. Mmh. Où est allé le petit garçon qui se trouvait sur les lieux? Partout. C'est quoi, elle aurait pu être drôle si tu l'avais bien raconté. Il y a donc 4 à 1, je rappelle l'export, 4 à 1, si il y a 4 à 1. 3-2. Arrête-toi. 4 à 1, et je pense que ça va finir sur un 5 à 1 maintenant. Comment les enfants de Tchernobyl comptent-ils jusqu'à 33? Avec leurs doigts. Rapport aux malformations à Tchernobyl, l'explosion, tout non. Ça, les morts. Non, pas du tout. Qu'est-ce que 9 personnes sur 10 adorent? Qu'est-ce que 9 personnes... La vie. Le viol en groupe. Ah oui, parce que ça a sous-entendu qu'il y aurait 9 personnes qui en violeraient une. Voilà. Qu'est-ce qui entre par une oreille, qui ressort par l'autre, mais reste en tête? Tu sais? Non. Une pioche? Non. Tu vois, tu l'avais pas. Ah ouais? Non. Grâce à quoi peut-on enlever du chewing-gum dans les cheveux? Une tondeuse? Un cancer? Bah t'imagines, il faut attendre d'avoir un cancer pour enlever le chewing-gum des cheveux. C'est long, hein? Alors je te donne une solution, quoi. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais quoi, la solution? Ben, ah, choper un cancer. Ok, d'accord. Mmh. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Un demi-chien. Perdu. Tu sais qu'est-ce qu'il fait un aveugle qui ferme son pantalon? Non. Il se braille? Non, nul. Interview musical. Ah, grosse pute. C'est l'histoire d'un poil. Il était bien, maintenant il est plus bien. T'es sérieux là? Qu'est-ce qui est tout rouge et curieux, qui gigote, qui fait des bulles? Un bébé dans de l'acide. T'as des blagues, toi? Choupe la casquette. Ça me fait pas rigoler, ça. C'est une sale histoire. T'as rigolé, là? Moi, je vais mettre ça en montage, les gens vont pas comprendre, choupe la casquette. C'est pas grave, ils comprendront pas, c'est une histoire entre lui et moi, c'est une private joke. Doigt! Lequel? Quand tu veux. J'ai eu mal, hein. Ah ouais? Ah ouais. Comme père. C'est deux putes qui se disputent. Ah non. T'as envie de rire? T'as eu un truc de ouf. Je suis vraiment de bonne humeur. Ouais. J'ai la joie. C'est quoi le plus dur à mixer dans les légumes? Le fauteuil roulant. Ah. T'as compris? Oui, j'ai compris. Ouais. Tu parles des gens... Les légumes. De type handicap, quoi. Tu ouais. Vois, c'est... Quoi? Quoi? Frère, c'est gratuit pour les chauves.
Putain, mais n'importe quoi de rire là-dessus. Mais pourquoi tu rigoles à ça? Je sais pas. Vas-y. J'en ai eu un. Ouais. Le torse. Eh, hey, mais t'as fait un bruit. Oui. Ouais, même moi, tu peux reprocher. Vas-y. Oh. J'ai rire. C'est bon. Ouais. 3-4. Allez, dernière blague. 3-4. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait? Pour faire du lait concentré. Un mec rentre dans un café. Plouf. Plouf dans le café. Plouf. Dans le café. Petit patin plouf. Plouf. Voilà, j'ai failli t'avoir. Essaye d'être nul. Attention. J'en ai deux, tu choisis quelqu'un. La pomme. La pomme. Attends, j'ai pas fait. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais pas fait. Ah, bravo, il s'est retenu. Pourquoi y'a pas de ballon sur le plateau de questions pour un champion? Y'a pas de quoi? De ballon. Répète. Les ballons de Baudruche. Mais attends! Parce que Julien le perce! Mais en fait, tout à l'heure, t'as perdu, ça veut dire oui, j'ai perdu! Et vu que t'as perdu, de toute façon, faut que tu mordes dans le nez. Ouais, super, double, merci Tina. PD! Combo ballon-oignon. Attends! Oh! Oh, ça Allez, ciao! Allez, ciao! Allez, ciao!